La résurrection me paraît centrale dans la foi chrétienne, donc on est vraiment à l'épicentre de la foi, tout part de là. Et puis en même temps, je trouve que quand on lit des livres sur la résurrection, on a beaucoup d'interprétations et qui sont parfois quand même assez loin de ce que intuitivement on perçoit de la résurrection, avec des formulations un peu hors sol, détachées de toute adhérence historique. Donc ce constat m'a incité à approfondir un peu ce que l'on pouvait découvrir de la résurrection dans l'Écriture. Il y a toujours eu des contestations du tombeau vide et de la résurrection, du tombeau vide en particulier parce que c'est un élément qui s'inscrit dans l'histoire, et donc effectivement c'est un lieu sensible. Cette contestation a été à l'intérieur du christianisme au XIXe siècle, ce qui est un peu nouveau. À mon avis, plutôt pour des raisons philosophiques, il fallait détacher l'évangile de tous ses substrats historiques, et donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus garder le tombeau vide comme un élément qui faisait partie du kérygme de la résurrection. Je trouve qu'il y a une extraordinaire originalité des récits des évangiles autour de la résurrection. Si on prend les annonces prophétiques de l'Ancien Testament sur la résurrection, on s'aperçoit qu'elles sont reportées à la fin des temps, qu'elles sont collectives, et donc qu'on n'annonce pas du tout quelque chose qui correspond à ce qui se passe autour du tombeau vide au matin de Pâques. Si on prend ce qui est écrit autour de la mort et de l'au-delà dans les récits grecs à peu près contemporains, plutôt postérieurs, mais autour du tournant de l'ère chrétienne, on a des représentations qui sont plutôt des apothéoses, comme Empédocle qui disparaît dans l'Etna, donc une dématérialisation du corps qui permet d'imaginer une vie au-delà. Et quand on a quelque chose qui ressemble à des apparitions, c'est plutôt un mort-vivant dont tout le monde se méfie et dont il faut au plus vite se débarrasser, comme on le voit pour Philonne, qu'on va incinérer finalement quand on la retrouve morte parce que elle vient perturber la vie de la cité. Et donc, en fait, les récits de la résurrection rapportés dans les évangiles n'ont pas d'attache et d'antécédent ni dans l'Ancien Testament ni dans la littérature grecque. Et si on avait voulu inventer un récit ou mettre en forme, sous forme narrative, la foi en la résurrection, on ne l'aurait pas fait dans les termes qui sont ceux de l'Évangile, mais beaucoup plus dans les termes de ceux de Saint Paul sur le chemin de Damas, une sorte d'apothéose, une sorte d'apparition lumineuse venue du ciel. Or, les récits des évangiles sont beaucoup plus modestes, ils restent au niveau des contemporains de ces apparitions. Il n'y a rien de glorieux, il n'y a pas de miracle, ce n'est pas à la fin des temps, c'est simplement un seul. Et donc là, il y a quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la littérature, ce qui fait que, de mon point de vue, la meilleure explication pour comprendre ces récits, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'absolument singulier autour du tombeau et autour de ces apparitions de Jésus dans le temps de Pâques.